Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'Eclipsia Family, cette émission alors mensuelle plus vraiment puisque vous le savez le mois dernier on a doucement glissé, mais c'est pas grave, elle est de retour avec un parterre d'invités exceptionnel comme à chaque fois bien évidemment, dont un invité pour qui c'est la première Eclipsia Family, je veux bien sûr parler de T'épouse. Oh là là, quel accueil. T'épouse. Voilà, alors si vous ne connaissez pas Eclipsia Family, je vous rappelle le principe, c'est simple. Nous avons des capitaines d'équipe qui vont choisir des collègues de fight. Ils vont s'affronter sur différents jeux afin d'élire le meilleur streamer d'Eclipsia, en tout cas sur cette soirée. Alors justement, on va commencer par vous présenter, messieurs, puisque vous avez tous choisi un nom d'équipe qui pèse dans le game. Je vais commencer par Xari, dont l'équipe bleue s'appelle... les faces de porc. Ouais. Voilà, je vous laisse chercher l'acronyme. Derrière, on aura Ogar en vert qui jouera les forains. Ouais, le retour. Et oui, le retour. Puisque. Waouh. Ton équipe s'appelait déjà comme ça à l'époque. En plus, il était déjà vert. Elle s'appellera tout le temps. Oui, il était déjà vert. Et d'ailleurs, la prochaine fois, vous mettrez à la bonne place. Mais tout va bien. Ah ouais. Nous avons les barakis de télévision de l'ami T'épouse. Explique-nous d'où ça vient. Bah, c'est un peu comme forain au final. C'est beauf, forain, ça vient de la Belgique. Oh là, T'es en train de dire que tu t'appelles. Alors, bien sûr, on s'excuse auprès de tous les forains. Tiens, rappeur. Non, pas du tout. Fermez pas les parents. Et nous avons les gagnants de Zerator, évidemment, puisque tu as gagné deux fois déjà, Zerator. J'ai fait premier, deuxième, je crois. Ça va. Non, t'as fait double premier, deuxième. T'as fait double premier. Ah non, deux fois premier et une fois deuxième alors. Voilà, donc Zerator qui pèse dans le game et qui va essayer. Deux fois deuxième. Tu vas essayer de t'imposer. Tu vas essayer de. C'est pas grave, c'est un M qui pèse. Donc il va essayer de s'imposer une troisième, une quatrième fois. Voilà, puisque nous sommes sur cette cinquième Eclipsia Family. Oui. Alors il va y avoir plein de jeux durant cette soirée. Je vais vous les citer maintenant, comme ça vous pouvez vous préparer mentalement à ce que vous allez voir. Il y aura du Mario Kart 8, il y aura du Castle Crasher, il y aura du Warframe, du Speedrunner, des jeux de fléchettes. Et oui, nous allons jouer aux fléchettes, les amis. Ce sera notre épreuve IRL. Vous savez, il y en a une à chaque fois où on essaie de faire du vrai sport. Et ben voilà, là ce sera des fléchettes. Et on terminera, comme toujours, avec le quiz des capitaines. Mais ça, je vous l'expliquerai en fin d'émission. Mais en général, c'est le quiz que vous attendez le plus dans cette Eclipsia Family. On va commencer tout de suite par désigner l'ordre de choix de vos coéquipiers grâce à un simple courte paille. Le quiz est trop bien. Oui. Oui, évidemment. J'ai trop hâte du quiz. Oui, le quiz est trop bien puisqu'il y a des sujets qui pèsent, mais je ne les annonce pas maintenant. Non, surprise, vous verrez. Bien. Alors, bien sûr, on va mélanger les flèches. Les pailles. J'ai les flèches. Je raconte n'importe quoi, les pailles. Non, mais pas du tout. Non. Voilà, et on va commencer par. T'épouse. Honneur à T'épouse qui vient de commencer. Pour la première fois. Il sort de la douche. Je te laisse. Il sort de la douche. Très bien. On va les remélanger. Donc, moi, je ne vais pas prendre celle-là. Oui, parce qu'il en avait tombé deux, mais tout va bien. T'épouse, il a la plus longue. T'épouse, c'est la plus longue. L'expérience, c'est la plus longue. T'épouse, il a la plus grande. Tout va bien se passer. On va continuer avec Ogar. La chance. Ah, la pression, quoi. Moi, j'ai bien niqué parce que je choisis pas, dessus, quoi. Tu choisis pas, ouais. Oh, putain, il a la deuxième plus grande, mec. Attends, pas mal. C'est pas grave. Zerator. Ça revient au même. Non, parce que moi, au choix... Il est pas parti. Moi, je suis pas parti. Voilà, alors gardez-le, puisque ça désignera plusieurs fois l'ordre de choix. Regardez. Du coup, messieurs... Ta gueule. On sait que tu as la plus petite. Il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir choisir donc votre premier coéquipier, chacun votre tour. Je vais d'abord annoncer les participants, puisque ce soir, dans cette Eclipsia Family, nous aurons en plus des chefs d'équipe, Jiraya, qui est présent ce soir, qui pèse dans le game, qui est prêt à s'imposer, notamment sur Mario Kart 8. Show Jiraya, dis oui de loin, hurle. Il a dit non, pas du tout, donc tout va bien. LRB qui sera là également ce soir. Oh là 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 là, mais quel bonhomme! Nous avons Nemo, évidemment, Nemzero, que si vous ne le connaissez pas, développeur. Nemo en tata. Eclipsia. En tata, ce plateau. Hein. En tata. En tata. Nous avons Skyheart qui sera présent également ce soir. Ah bon ouais, il est pas là. Skyheart qui est magnifique, comme toujours, évidemment. Il est pas loin, il est pas loin. Shexy également, puisque Skyheart sans Shexy, ça n'a pas de sens. Ah, on a les deux, si on choisit Skyheart. Ah, on a les deux. Non, tu n'as pas les deux, ne triche pas, évidemment. Pique contre double. Nous aurons aussi là la cosplayeuse que vous avez vue déjà dans What's Up Geek avec LRB, les graphistes chez Eclipsia. Nous aurons Lège, évidemment. Bouh, c'est le mec. Ah bon? Ouais. Lège!
Il est où l'aide? Et nous terminerons avec le nouveau venu. Voilà, il est nouveau, mais c'est pas pour ça qu'on le fait pas participer. Au contraire, DFG s'en présente. Incroyable. Alors qui? Alors j'ai envie de vous demander, messieurs, qui a la plus longue? Bah, c'est épouse. C'est épouse. T'épouse, tu peux choisir en premier ton coéquipier. Je pense qu'il est au courant, il va venir. Jiraya le cochon. Et c'est Jiraya qui va incroyable retrouver avec toi. Alors il faut savoir que les règles ont un petit peu changé sur la répartition des personnes. C'est-à-dire que vous savez, avant, on distribuait des papiers, ça faisait mélanger les équipes et tout. C'était un peu le bordel. On a simplifié un peu le truc. Sachez que désormais, votre premier pic est définitif. Vous ne le perdrez pas. Voilà, il n'y a pas de mélange. Du coup, t'as raté ta strat, t'épouse. Tu voulais pas Jiraya. Voilà, il voulait pas Jiraya. Dommage. On continue avec Ogar. Qui peut choisir Lège, évidemment. Incroyable. Voilà. Mon Dieu. Incroyable. Arrive au courant. Lège qui sera présent pour peser dedans doucement. Lège, enfin, sur la caméra. Ça se passe bien, c'est mon entrée, tu vois. Je la soigne. Lui, il est bon, en fait. Il a dit trois fois qu'il faisait pas l'émission, et en fait, il l'a fait. Eh oui. Ouais, bah, sois pas dingue. Non. Ouais, t'as vrai. Je sais pas, on entend mieux. Vary, à ton tour. Moi, bro, oblige, je vais prendre LRB, évidemment. Et LRB Évidemment, je suis obligé de prendre LRB. Eh oui, parce qu'il faut le rappeler, vous vivez ensemble, donc bien évidemment. Enfin, oui, en tout cas. On laissera chacun. Et pas que. Et pas que. Zerator. Oh, non, en fait, je vais changer, je vais prendre Zerator, en fait. Non, mais. Allez. Zerator, à ton tour de choisir. Moi, je suis là pour gagner, donc je vais prendre Skyheart. Oh là là. Skyheart, qui encore une fois est tout nu ce soir. Alors messieurs, on va commencer évidemment par T'épouse Télévision. T'épouse fait pas le con. Tu vas pouvoir choisir ton deuxième coéquipier parmi. Ah mais c'est par trois papiers du coup direct. Ah d'accord. Mais attends, tu vas voir. Ah c'est la bite. Non. Et tu vas lire ce qu'il y a écrit dessus. À voix haute, très haute. Tu échanges Jiraya avec le plus grand. Ah c'est DFG. Et oui, le plus grand, c'est DFG, large. Ouais, c'est rigolo. Ah, mais vraiment, avec 1m90. Ah, d'accord. Il est très grand. On est avec DFG, bon, on a gagné. Voilà, le plus grand. Le plus grand, mais bon, nous il pèse tranquille. Alors, main gauche, main droite. Viens, on ne voit pas. C'est au tour de garde d'avoir son deuxième coéquipier et il aura. Un handicapé. Mémo, si je peux. Viens, Mémo. Non, évidemment, on n'aurait pas fait ça. Le troisième chapitre, bien sûr, c'est le plus moche, mais vous le verrez tout à l'heure. Le plus jeune. Je pense que c'est Alice. C'est Alice, en vrai. Qui alors entre Nemo et Alice, je pense. Quel âge avez-vous? Non, c'est Alice. C'est Nemo, lui. Et voilà, Alice qui sera avec Ogar. Voilà. En toute amitié, Nemo. Évidemment. Mais il n'y a pas de problème. C'est à moi, vas-y, balance. Zary, tu as donc le dernier papier. Ah, t'es deck, t'as pas de papier, t'es déçu, t'es déçu. Moi, non, ça va. Ça ne change rien ni pour l'un ni pour l'autre. C'est que de la chance, ton changement. Ordre alphabétique. C'est Chexy, tout à fait. Allez, Nemo, il y a. Et Nemo qui sera avec Zerator. C'est un prénom, c'est la troisième fois on est ensemble. Non, par pseudo. Ça a l'air équilibré comme ça. Non, c'est pas prénom. Mais on n'a pas de prénom. Ça le voit. Alors, je vais vous laisser vous coller à votre équipe. Je vais reculer comme ceci. Mais on fait le mal d'ailleurs. On n'a pas de prénom. C'est la troisième fois que je suis avec Chelsea. Les deux fois on a joué avant, on a gagné. Allez. Ouais, mais il y avait Mélo. À part il y avait Mélo. Il y avait Mélo. C'est si sérieux. C'est que moi, à chaque fois que j'ai joué, j'ai perdu. Donc, évidemment. Oh ouais, nice. Alors, chers amis, nous allons commencer avec le premier jeu qui, comme toujours dans l'Eclipsia Family, c'est le blind test. Évidemment, le blind test qui a été réalisé par notre maître Capello légendaire. J'ai nommé Dash avec l'aide en fin de parcours de l'ami Menro. Donc, vous allez voir. Ça pèse un petit peu. On va commencer tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Je vais répéter, bien évidemment, les règles de cette Eclipsia Family, notamment de ce blind test. Alors, c'est très simple. On va vous faire écouter des musiques. D'accord? Ouais, je m'en bats les couilles. Faut pas parler. Vous allez donner la couleur de votre équipe. Bleu. C'est quoi la couleur de mon équipe? Ta couleur, c'est le jaune, tout à fait. Jaune, jaune. Évidemment. Jaune. Ah, je démonte, je vais te casser. Info sur, vous tapez sur. Alors, seul le capitaine d'équipe a le droit d'annoncer la couleur de son équipe, d'accord? Donc de prendre la main. Le jaune. Si vous donnez le nom de la chanson et son interprète, vous gagnez un point. Si vous vous trompez, vous perdez un point. D'accord? Le jaune. Est-ce qu'on peut taper sur l'épaule des mecs, des collègues? Oui, oui. Croire qu'on... Non, mais est-ce qu'on peut taper sur l'épaule? Alors, croire que... C'est de la triche, donc on va éviter. Bien sûr, nous n'avons pas cette sécurité ici pour s'en empêcher. HF, voilà. De toute façon, c'est bon, je vois mais soyez beaux joueurs, messieurs. Soyez beaux joueurs.
Est-ce que nous sommes prêts en régie? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on peut partir sur ce blind test? Le blind test est composé de 20 chansons, comme toujours. 20 chansons, c'est terrible. Comme ça, c'est pas sur moi, les gars. Mais si. Justin Bieber, tu connais. Skyard, crois en toi, Skyard. Est-ce qu'on est prêt? Ça y en a marre. Il y en a pour tout le monde. Amaury est prêt? C'est bon, alors on y va, premier extrait. Je crois en toi, Skyard. Non, fais pas ça. Dégage. Ça va venir, évidemment. C'est le refrain? Oui. Vert. Regarde. Ah, il sait pas, c'est bon. John Lennon, imagine. C'est une bonne réponse. Très bonne réponse de l'aide, évidemment. Ah, il a raté, c'est derrière les scores. Ah, ouais, c'est et derrière les scores, il a tout raté. Ça a tout niqué, ça a tout niqué. Effectivement, on est sur quelque chose de plutôt moche là, juste regardez, regardez, c'est derrière, vous voyez. Non, alors je ne pas. Regardez, regarde, on va le déplacer. Ah, voilà, voilà, voilà. Évidemment, là c'est mieux. Allez, on va continuer avec le deuxième extrait. Est-ce que vous êtes prêts? Action. Alors, on se calme. Beat. Oui, vas-y, Radiohead, Creep. Alors, oui, bon. John, vert. Non, mais c'est. Là, toujours ouais, vert. On respecte les règles ou pas? On respecte les règles. J'avoue que t'aurais pas donc c'est Radiohead alors, Creep. Il faut. Attendez, attendez. Bah, c'est ça les règles du Blind. Non, mais grand bien. C'est allez, 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 d'accord. Grand bien. Donc, il faut, à qui l'accord de toi? Il faut dire vert en fait. Il a pas dit la couleur. Tu l'as vert. Quelles sont les règles que tu as prononcées en live? Il faut prononcer la couleur. Ça que j'ai pensé, c'est il faut prononcer la couleur pour savoir. Oh non, non. Alors, Zerator, tu gagnes un point. Il a lagué. Moi j'ai toujours pas compris que j'étais vert en fait. Voilà. C'est... Ah mais je suis très fier de ce point. Nous, bon, on donnait beaucoup. Mais là c'était la mauvaise. Nous allons enchaîner avec le troisième extrait. Mais avant ça, est-ce que vous avez tous vos couleurs en tête? Bleu. C'est bon. Mais on va pas le dire souvent. Xari bleu, Zerator jaune. Je suis très content d'avoir compris. Les forains de garde vert. Et t'épouse rouge. Ok. Je connais pas ça. Et t'es un petit bâtard toi. Voilà. Troisième extrait. Oui. Vert. Deux. Et c'est le vert que j'ai entendu en premier. C'est Britney Spears, toxique. Et c'est une ballon. Les mecs, magnifique, ce clip est magnifique. Voilà, malheureusement, elle a payé. Allez, quatrième. Non, ça date de quand, ça? Bien évidemment. Elle était bonne. Évidemment, beaucoup de talent. Jaune, j'ai entendu jaune en premier. Alors, c'est Michael Jackson. Ah putain, c'est la seule que j'ai. T'es bon, monsieur. Smooth Criminal. Ouais. C'est une bonne réponse. Oh, ah, bravo. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est le beau jeu. Il y a le beau jeu. C'est le beau jeu, évidemment. Non, il n'a pas sorti. Il a pas sorti Bad ou Thriller. Il a sorti Smooth Criminal. Mais c'est chaud. Non, mais voilà, voilà. C'est chaud. Le beau jeu. Tellement de hits que c'est chaud. Eh oui. Un génie, évidemment. C'est chaud, c'est chaud. J'ai hâte qu'il revienne. Cinquième extrait. Moi aussi. Allons-y. C'est commencé, là? J'entends rien. Tout va bien. Là, c'est sirène de police. Vert. Vert. Ouais, ça, c'est genre... Ah, ça sent le danger. Ça sent le doute. C'est Shakira. Ouais, mais je peux pas ça, dire. Oui. Et ensuite, rouge, rouge, rouge. Mais on l'a aussi. Attendez. Là, il faut m'aider. Après, c'est lui. Après, il a dit rouge. Non, mais, non, mais, non, non, mais, attendez, non, mais on a dit. C'est pas comme ça que ça va marcher, les gars. Calmez-vous. Shakira, mais après. J'ai besoin d'une réponse dans 3. On va remettre la musique. Et vous allez. Ça va être un concours de vitesse au moment où la musique va démarrer, d'accord? Infâme. Non mais sinon t'es éliminé si tu fais si tu spas. Attends, 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 tais-toi, tais-toi, attends, attends, pas la musique. Bleu. Il a dit là. Rouge. Bleu comme c'est insupportable. Il triche l'exemple. Non mais c'est infâme. Rouge. On peut lui mettre un spleen. Grand miam. Que fait-on? Bon. Ah bah mec. Départage Max. Oh Pierre Feuille Ciseaux, Pierre Feuille. Non, prends tes pouces, c'est la première. Prends tes pouces. Non mais c'est les mecs. Non mais Jerry a spamé. C'est les bleus. Oui mais il a spamé. C'est là il fallait spammer. Il n'y a pas de règle du spam.
Il n'y a pas de filtre anti-spam. Mettez un slow mode, enfin. Bon, pensez à tous nos viewers qui nous regardent et qui viennent de perdre deux oreilles. Voilà. Ça va, heureusement, la troisième est là. Bon, Xari, vas-y. Au pire, on accorde le point. Quelle est la réponse? Bah, je sais pas. Shakira Tortura. Ouais, c'est ça. C'est la bonne réponse. Baissez-vous tous, voilà. C'est mérité. Ah, c'est une chanson. Eh, le moins un, c'est moins un pour les. Là, je suis deg, la seule chanson. Ah, c'est vrai, moins un. Moins un pour les mecs. Mais ça, ça marche. Ça, ce n'est plus dans les règles. Ah oui. Oula, oula. Ah oui, un poil. Disparition, ça commence à devenir chaud. Bon. Voilà. Tu arrêtes de faire de la merde. Là, on c'est dommage, gars. T'étais bien parti. DMG, il a l'air fort. On continue. Depuis tout à l'heure, il donne tous les noms. Calmez-vous. Sixième extrait. Concentrez-vous. Ah bon? Oh, lundi. Comment ça? Oui. Attends. Ça passe sur Rire et Chanson, ça. Vas-y. Et sur Nostalgie. Oui, certes. Attends, mais je me rappelle plus vite. Je connais. Non, mais ça passe sur la chanson. Mais c'est hyper connu. Mais oui, c'est hyper connu. Ton frère, il va me tuer. Oui, bah ton frère, il est pas là déjà. C'est le truc que t'aimes pas. C'est le truc que j'aime pas. Donc, faut choisir. Ah, Mister Fancy, elle aime bien. Oui. Ah, il y a beaucoup d'adresses. La pochette, c'est Mister Fancy. Moi, je connais pas ce machin là. Je connais pas non plus. Ouais, j'ai déjà entendu, mais je sais. Malheureusement, je vois que personne ne l'a. Allez, allez, concentrez-vous. Quel dommage. Non, mais arrête, t'es sérieux. Ça va bien. C'est un jeu. Oh! Ah, c'est la gueule! Alors, vous n'avez peut-être pas entendu. Vert. D'ailleurs, Stress, c'est Tom of Things. C'est moi! Merci! Oui, c'est moi! Ouais, bah, tu regardes direct. Ça passe. C'est d'ailleurs. What the fuck? Non, mais l'artiste en fait. C'est quoi cette merde? Merci pour l'artiste. Oh, doucement. Calme-toi, tu es en train de parler d'une légende. Dis-moi le secret. Septième extrait, les amis. Et oui. Maître Yi, le samedi. Jay-Z, tu ne tapes pas si tu sais pas. Bon, les gars, là. Attends, laisse perdre des points. Alors, un indice, si vous écoutez, c'est plus facile de trouver. Non, bon, on l'a pas, on a pas Jay-Z. On a un point. Déjà, c'est. Taisez-vous, calme. Taisez-vous, il y en a un qui travaille là. TG, on va gagner. Putain. Regarde ce style, il est au max. Faut que tu bouches une oreille. Il y a trop de mots dans sa chanson. Max, le titre va arriver bientôt. T'attends. Attends. Bon, il vient de le dire, hein, globalement. Mais le redire. Oh, le mec, il fait des trucs en même temps que la musique. Non, mais là, il vient de le dire, donc si vous l'avez pas, vous l'aurez jamais. Oh, c'est Elton John, mais je sais pas c'est quoi, c'est peut-être. Et c'était Your Song. Your Song, voilà. Ah, ouais, mais. Mais oui, mais il l'a dit. This is Your Song. Ah, bah oui, mais merde. Elton John, Lennon. Et oui, Sir John, Elton John. Bleu, pareil. Moi je connais que les artistes. Tu veux pas avoir la non, il n'y a pas été sœur. Bon, où est-ce qu'on en est au niveau des points, les amis? 2 points pour les jaunes, représentés par les gagnants de Zerator, et 2 points pour les verts, Dogar, les forains. Bravo les gars, on va voir qui va gagner. On enchaîne avec le 8ème extrait. Bleu. Sonia Love, Tupac. C'est une mort. Oh. Et voilà, voilà, voilà. Évidemment. C'est quoi Tupac? C'est l'artiste? Oui. Le mec a tellement chanté. Tu connaissais pas d'ailleurs. Bon, du coup, vous venez de vous mettre à égalité avec les ceux qui étaient en tête. On continue avec le 9ème extrait. Non, on est là pour jouer. Hein. Non, on est là pour jouer, mais on a la boîte de jeux vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? C'est quoi là? C'est quoi? On joue là? Non, c'est de la merde. C'est parti pour chanter. C'est ça. Chut.
Chut. Qui a fait le blague? Chut. Ah ouais. T'es sûr qui c'est pas fait? T'es sûr? Non, moi je connais. Attends, chute, chute, chute! Je connais, mais je connais. Chute! Bleu, 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 bleu! Bleu! Oh putain! Ah, bleu. Non, on l'a dit. C'est Duo le Taxi, vas-y, c'est parti. C'est une. Oh! Karim, voilà, on passe en tête! Putain, génie! Oh là 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 là! Alors, vous noterez qu'après Shakira, c'est pas pareil. Hein. Forcément. Par contre, c'était en quelle année? Parce que j'ai l'impression qu'elle est encore vivante. Ah bah, ça date! C'est pas pareil! Ça date! Non, c'est différent, j'ai rien dit, c'est pas pareil. C'est moi, c'est qui est pareil. Le pire. Évidemment. C'était... Attends, on est à combien là de trucs? Ça va. Vous êtes à combien? Nous sommes à la 9ème réponse, on va faire la 10ème tout de suite. Ah, ok. Oui, malheureusement, j'ai cru qu'on était gagnés. Tu penses à dire rouge? Ça pense à dire rouge. D'accord, ok. Oui, t'es pouce, tu as le droit de jouer. Évidemment. Non, non, ça, on l'a juste safe. On l'a juste safe, tu sais pas, donc. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas Justin Bieber, sexy. Oh mon dieu. C'est négatif. Oui, bah oui, il y a la guitare électrique, tu connais, ça va. C'est bon, tu peux le faire à la fin, là, comme tout. Voilà. Eh oui. C'est quoi cette autre musique derrière? Ah, c'est ton téléphone. Bon, encore une fois, il va dire le titre, donc si vous avez l'artiste. Non, on va le prendre en jeu. Ah, je le connais, mais... Non, je sais. Écoutez bien, il va dire le titre en premier. Attention. Rouge. Rouge. Ah oui. C'est Welcome to the Jungle de le mec avec Slash. Ouais, c'est ça. Si vous l'avez pas. Eh oui. Eh oui. Tu sais, vous l'avez pas, vous l'avez pas. Oui, bah c'est rien. On juste. Attends, je vais retrouver. Attendez, calme-toi. Le mec avec Slash. Slash, c'est pas anti-Slash. Est-ce que tu as parlé le nom du chanteur? Je vais lancer encore quelques secondes. T'as dit quoi? C'est une bonne réponse. Oh la foi! J'ai où? Et voilà! Ça fait plaisir! Ça va! Je suis content de tout ça! Ça fait plaisir! 11ème extrait, chers amis, après ce moment de guitare. Vas-y, chute, chute! Je suis chaud! Un moment de gospel pur, non pas du tout. Non, mais j'en ai eu que deux. C'est masse. Merde, rouge. Ah, j'ai entendu rouge avant, je suis désolé. Merde, putain. Oh, c'est quel dommage. Quel Adèle, Roland Jean de Deep. Roland, c'est la bonne réponse. Roland, Roland Jean de Deep. T'es couleur Adèle, connard. Ça parle de la violence d'un homme. Eh oui, Roland Jean de Deep, évidemment. C'est ton baptême de point. Ta gueule. C'est mec énervé, quoi. C'est son baptême de point volé. Michael Patras au point. 12ème extrait, les amis. Franchement, il y a de quoi rager, je sens. Il a ragé. Mais Adèle, ça veut dire bleu en espagnol. Ouais, oui, évidemment. Bleu, bleu. Bleu. Bleu, ben. C'est Shadow de Black Eyed Peas. Oh, on n'en parle pas là. Si les gens parlent, on n'en parle pas. Voilà. Menro m'avait dit c'est. Ah, mais c'est super connu ça. Mais oui, c'est hyper connu. Ah, mais ce que tu excites. Écoutez bien, on va passer au 13ème extrait. Tout est jouable pour tout le monde. C'est quoi? C'est à combien? Attendez, attendez. Celui-là, il est dur. Oh merde. Il est dur. Tout est jouable pour tout le monde là. Donc concentrez-vous. Chut. Ah, ah attends, bleu, bleu, bleu. Bleu. Mais attends, c'est pas bleu, c'est FL65, Blue Dabuddy. Bleu, c'est du bon. What the fuck? Oh, le génie, c'est Iron Man 3, mec. Ça, c'est dur. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Méga dur, méga dur. C'est pas ça, c'est Ben Rose, c'est pas sa génération. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est dans Iron Man 3, c'est le début. Pour lui, c'est dur. Lui, encore à l'époque, il jouait avec un client. C'est Dabuddy. 14ème extrait. Mais tu t'as vu Iron Man 3? Oui. Bah c'est la chanson de début. Bah tant pis. T'as été au collège, non? Oh, c'est un putain de truc de musique classique, please. Attends. Ma mère arrive. Elle prend possession de ton cœur. Alléluia. Donc ça c'est fois Mozart. Alléluia, Jesus. Mozart, 5ème symphonie. Mais tu sais qu'au gars il peut trouver.
Regarde, il est tellement à fond dedans. Regardez, elle est là. Attends. Écoutez, écoutez. Attends, la beauté de la musique. Je me souviens, j'avais le titre. Non. Attendez, mais plus fort. Je l'ai, la musique. C'est Mozart, mais je sais pas le nom. Non, non, mais c'est vrai, c'est Mozart. Non, on est premier, je sais. Je on a 5 points. Mais je suis sûr, c'est Mozart. Il y a un problème là-bas. Bon, je pense que personne ne va le trouver. Si, si, c'est Mozart. Non, mais je suis sûr. Et c'était le Requiem. Merci. Mais de qui? De Mozart. Bah, de Mozart. Oh là là. Mais. C'est trop mainstream, Mozart. Un demi-point. Mais il est même pas sur le clip, comment tu veux C'est qui lui? C'est qui lui? Évidemment. C'est qui dans le sport? 15ème extrait. Random. On approche de la fin, attention. Ouais, c'est chaud. Oh là, c'est trop triste pour moi. On joue safe, on a 5 points. Les gars. Rurk pense qu'il l'a. Au revoir. C'est très... Non les gars, c'est méga connu. Oui, c'est connu. Je vais en plan de bataille. Vert. C'est pas Madonna Frozen. Oui, effectivement. Elle venait de le dire. Ah oui, en effet. Je trouve pas Mozart, mais je trouve Madonna. La grille, c'est de la merde. On s'est fait troller par ces mots. Moi je connais Frozen, mais c'est Scar qui chante sous la douche. Moi je vais pas dire. Ça part en basse. Encore. 16ème extrait. Tu penses? Là ils sont deux pour la musique, donc ça doit être un truc de ouf. Plaît aux cartes qui n'ont pas assuré. Y'a pas que la fesse dans la vie. Oh, c'est bleu. C'est Francky Vincent, fruit de la passion. Oui. C'est ça. C'est Francky Vincent. TMD, c'est Julien. Eh oui. Non, il est... Eh, c'est une insulte. Bon, vas-y, c'est bon. Oui, c'est ça. Attends, j'ai entendu, mais je sais pas. Allez, on enchaîne 17ème extrait. C'est trop bien. Bon, là, on joue safe, on gagne en fait. Mec, c'est trop bien. Ça, c'est facile, hein. Là, si vous trouvez pas, je me barre. Jaune. Nirvana, Smell Like Teen Spirit. Merci. Oh là 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 là. Incroyable. Nirvana, c'est C'est l'artiste. Ouais. Voilà, vous pouvez tous être bangés, bien sûr. Oui, j'avoue. Oui, non, mais après, voilà. C'est 18ème extrait. Ah non, forcément premier là. Normalement, c'est le moment où là, on va se passer un truc et on gagne. Oui, évidemment. 18ème, normalement. On se connaît pas. Ce sera bon. Arbitrage vidéo. Non, il y a pas d'arbitrage. Si après le blind test, nous n'avons pas dit bleu, je vais bien enlever tous mes points de ce blind test. Très bien. On enchaîne. Avant dernière chanson, les amis, 19ème extrait. Concentrez-vous, rien n'est jouable. On a déjà le gagnant. Rien n'est jouable. Bah mec, il a 7 points. Oui, il faut qu'il se plante à mort. Il est pas con, il va juste pas jouer. Jaune. Ah mec, pourquoi tu t'as de Dieu? Mais tu dis rien, t'épouses. Mais je sais pas, tu me fais ça, j'ai appris. Mais t'as fait ça, tu me prends, tu me mets une patate. Nous allons tenter Florent Pagny, savoir aimer. C'est une bonne. On est mort. Attends, c'est bon. Le mec est mort. C'est ma couleur. Elle t'a pas la gueule. Savoir sourire. Bah t'épouses, crucifié en live. Ah c'est chaud quoi. Dernier extrait pour que tes pouces peut-être remontent premier. Non, c'est le poteau, pas du tout. Allez, les gars, safe. Vous risquez rien, les gars. Allez-y. Vous risquez rien. Vous avez saisi la idée de l'autre en fait. On va gagner. Il est en haut, ça.
Il est Si tu savais tout ce qu'on fait ensemble. Bon, allez, assis-vous, les gars, regroupez-vous. Comment on a réussi à avoir 8 avec moi? Oh là 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 là. Incroyable. Parce que tu t'es fait tirer. Bravo, Jackie. Oui, j'avoue. Bien, bien, bien. Elle a trouvé. Tiens-moi la main. Les amis, on va enchaîner avec les jeux suivants. On va d'abord faire un point sur le score, puisque effectivement, bah, gagnant, ce sont l'équipe bleue, les phases de sport. J'ai failli dire un truc, ça n'a rien à voir. FDP. Avec les gagnants derrière, également, qui sont deuxième, puis les forains, et enfin... T'épouse qui voulait pas. Malheureusement. C'est dur la première fois. Voilà. C'est chaud. Oui, évidemment. Vous gagnez donc respectivement 3, 2, 1 et 0 points. Ah, c'est formidable. On va enchaîner avec le jeu suivant. Ce sera. Ah, mais si, on va enchaîner avec le jeu suivant. Je te le dis. Le jeu suivant, c'est Warframe. Alors, capitaine d'équipe, qui désignez-vous pour participer à Warframe? Sachant qu'il vous faut deux joueurs. J'ai jamais joué. Alors, sachant que le capitaine d'équipe ne joue qu'à un jeu, ça. Oui, dans toute la soirée, le capitaine d'équipe ne peut jouer qu'à un autre jeu que le quiz des capitaines. Donc vous devez faire participer... Oui, et que les fléchettes. Vous devez faire participer vos membres. Toi, tu fais Warframe. Nos membres? Oui, vos membres. Tu veux pas aller? Zary, en tant que gagnant, qui désignes-tu? On va jouer, moi et Chexy, enfin Chexy et moi, on va jouer à Warframe. Ok, Zary, Chexy sur Warframe. On enchaîne avec Zerator. Nous, Warframe, ça? Nous allons prendre Skyheart et moi-même. Très bien. Ensuite, regarde, Alice et Lèche, et t'épouses, tu désignes. Genre là, c'est une équipe de deux, on est d'accord, mais oui, chacun fait deux jeux ou il y a le capitaine à un? Non, le capitaine, vous allez... un seul jeu. Même s'il fait celui-là, il fait que celui-là. En fait. Toi, tu vas faire deux jeux, ah, voilà, c'est bon, et t'épouses, il va en faire qu'un en plus des fléchettes et du quiz. Plus le quiz. Ah, on va faire un cavity speedrunner. Ah, les fléchettes. Oui, vous faites tous les fléchettes. Ah, on fait tous, d'accord. Alors, on pourra pas faire un cavity speedrunner? Non, c'est bon, moi, c'est bon. Non, il va faire quand? Alors, t'épouses, qui fait? Qui fait Warframe? Moi et Dr. Philgood. D'accord, T'épouse et DFG qui vont faire Warframe. On se retrouve juste après une courte pause, les amis, pour le premier jeu, vraiment jeu vidéo, de cette Eclipsia Family. Warframe, à tout de suite. On va faire.